Pour moi, t'as fait un tour de France complet, tu sais tout faire. Tu peux faire une émission politique, tu peux faire tous les journaux que tu veux. Parce que t'es confronté à tout. Les éléments, faire un papier, faire un enrobé, un micro-trottoir, rencontrer des gens. Et sur 3 semaines non-stop, les directs toutes les demi-heures, être à la bonne cabine téléphonique, même si maintenant, on voit France Inter, ils sont occupés d'un avion, donc ils n'ont pas besoin de chercher la cabine téléphonique, mais c'est génial, les mecs des sports. Parce que tu peux tout faire. Patrick Chen, à l'époque, quand il a fait le 13h au Gérard Rolls, Charles, tu me mets dans le désert avec un micro, il fait 2 heures d'émission. Hein. Et tu mets un politique, tu mets un politique ou un économiste, avant qu'il te décrive les dunes et le vent qui souffle et les voitures qui ne sont pas arrivées. Voilà. Mais nous, quelque part, c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain, ça c'est inné, mais ça c'est le côté passionné, je vous parlais tout à l'heure. La passion, c'est le maître mot. Quand tu racontes déjà ce que tu vois, tu ne vois pas de voiture, mais tu racontes, tu ne vois pas de voiture. S'il y a du vent, tu racontes qu'il y a du vent. Déjà, tu as déjà fait ta minute. Hein. Sur le vent, le sable, le désert, les couleurs, tu as fait ta minute. Après, c'est écrit de la radio, de la télé. Essayez tout aujourd'hui. Trouvez votre voix, même si c'est derrière une caméra, même si c'est dans une régie ou autre. On fait un métier, on rencontre des gens formidables. Je vous conseille de bouger surtout, hein, faire ce métier de reporter à la base. Moi, aujourd'hui, je crève d'envie de repartir commenter un match de foot. Parce qu'il y a tellement de gens intéressants dans le sport que tu rencontres des gens. Et Teddy Riner, c'est un mec formidable dans le sport olympique. Mais voilà. Puis l'autre jour, j'étais à un colloque sur la résilience dans le sport. Je suis tombé sur Philippe Croiseau. Qui est venu me voir, elle s'embrasse en genre. Et là, pendant un quart d'heure, tu parles avec un mec qui est juste extraordinaire, qui te raconte comment il fixe ses petites palmes là, pour aller plus vite, pour traverser les continents. Tu dis, putain, ce mec, jamais tu ferais ça. Non. Donc, ça, ce métier permet d'avoir des rencontres, tu vois, exceptionnelles. C'est sûr que ça, c'est une part très importante de ton boulot. Tu ressors de là dans une émission, tu as rencontré un mec formidable.